je m'appelle Cyrène Ravet, je suis français, je viens de Lyon et je viens de faire champion d'Europe 2021 en moins de 58 kilos. Bah, ça représente une grande fierté, c'est aussi un travail accompli. Et de toute façon, je travaillais pour ça, donc je suis content que mes efforts soient récompensés. Bah, déjà, commençant la compétition, comme je venais de faire champion d'Europe catégorie olympique quelques mois auparavant, je me suis dit que j'allais être un peu plus attendu que si j'avais rien fait du tout. Et puis, j'y suis allé assez serein et chaque match s'est déroulé plutôt comme prévu, on va dire. Et ça s'est bien passé tout au long de la journée. Bah, du coup, nous, début Covid jusqu'à maintenant, en fait, on n'a pas arrêté de s'entraîner avec l'équipe de France, que ce soit au premier confinement où on faisait ça via Zoom, ou après le premier confinement, après ça s'est assez dégagé, on a pu se rentraîner ensemble et essayer de faire le plus de stages possible pour prendre de l'expérience avec les autres nations. Et jusqu'à là, on essaye de faire de notre mieux en restant dans des bulles sanitaires et de ne pas attraper le Covid et de pouvoir s'entraîner à fond. Je dirais rester déjà mentalement bien parce que déjà on était accompagné et pour moi après c'était tout dans la tête je pense. Alors moi déjà de base je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête donc je pense que je suis assez chill donc je pense que ça m'a déjà bien aidé pour rester calme. Après je ne me suis pas perdu parce que je sais qu'il y a des gens pendant les confinements et tout qui commence à penser à autre chose et tout. Moi, je suis resté vraiment focus sur mes objectifs et je pense que ça m'a permis de rester le plus focalisé. La suite, c'est espérer se qualifier pour les Jeux Olympiques et aller chercher l'or aussi. Alors là, on a quelques jours de repos et après, ça part sur un stage. On va faire une bulle sanitaire, on va partir sur un stage et après on part en compétition normalement, si tout se passe bien. Je remercie mon grand-père qui m'a donné la force pour toutes ces compétitions et qui est mort il n'y a pas longtemps et puis tout ça c'est pour lui.